Bonjour à tous, bonjour de Normandie, je suis Jean-Jacques Varzignac, membre de la SAB et également membre du club Astro de Toussaint qui se trouve à quelques kilomètres d'ici et je vais vous parler de radiodétection des météoroïdes. Alors ça paraît bien compliqué, mais je vais vous montrer également un montage composé de trois parties seulement pour un budget pas plus d'une trentaine d'euros qui vous permettra de détecter les météoroïdes, nos fameuses météorites. Alors, l'intitulé de mon exposé, c'est radiodétection, première partie, deuxième partie, météoroïdes, et on va aborder chacune des parties. Un petit peu d'histoire, en septembre 2019, la SAB a créé la thématique astrophysique N3 qui succède à N1 et N2 qui sont théoriques. N3 se veut beaucoup plus expérimental, applicatif. Et dans cette partie N3, il y a trois autres thématiques, dont une qui s'appelle la radioastronomie et la radiodétection est à l'intérieur de la radioastronomie. Un petit rappel, qu'est-ce que c'est que la radioastronomie? Eh bien, c'est tout simplement l'étude de l'univers au travers des ondes radioélectriques. Une onde électromagnétique, vous savez ce que c'est. Le spectre électromagnétique également. Je fais juste un petit rappel. L'étendue du spectre électromagnétique pour les fréquences les plus élevées et les longueurs d'onde les plus courtes se situe donc entre les rayons gamma, rayons X, puis l'ultraviolet, le visible, l'infrarouge, les micro-ondes, et les ondes radioélectriques. Alors les ondes radioélectriques, c'est le domaine qui nous intéresse, va couvrir la partie du spectre qui se situe entre 30 kHz et environ 300 GHz. On va manger les micro-ondes et on va manger un peu l'infrarouge lointain. Quelles sont les sources qui émettent dans ce domaine radioélectrique? Les sources de l'univers. On va trouver aussi bien le fond diffus cosmologique que des galaxies, des soleils, des pulsars, des quasars, des planètes comme Jupiter ou tout simplement d'autres planètes comme la Lune ou Vénus, mais dans un cadre d'émission un petit peu plus particulière qui est beaucoup plus un phénomène de réflexion thermique. Alors les météoroïdes, ça n'émet rien du tout. Donc, il va falloir trouver un moyen pour arriver à les voir. Pour aller un petit peu plus loin dans les sources, quel est le principe d'émission des ondes radioélectriques? Il y en a deux et on n'ira pas plus loin dans ce domaine. Le premier, il est thermique. Le deuxième, il est non thermique et on l'appelle rayonnement synchrotron. C'est tout simplement une particule relativiste dans un champ magnétique qui émet un rayonnement électromagnétique, c'est quoi? Ben, c'est un électron qui va à la vitesse pratiquement de la lumière et qui, dans un champ magnétique, émet effectivement cette onde radioélectrique. Alors, comme je vous l'ai dit, les météoroïdes n'émettent rien. Donc, il faut trouver une astuce pour pouvoir les détecter. Et l'une des astuces va être d'envoyer une onde radio sur dans l'espace et cette onde sera réfléchie et on récupérera cette onde. Alors la SAB, comme vous le savez, a une thématique météorite et micrométéorite. Elle est membre du réseau Fripon. Vous en avez entendu parler, c'est le fameux réseau de caméras qui permet de détecter un passage de météoroïdes. Et cette caméra est située au-dessus, sur le toit de l'université de Bourgogne. Par contre, on n'a pas de système de radiodétection, d'où l'intérêt de travailler dans ce domaine pour compléter à la fois la partie visuelle par une partie radioélectrique. Alors, vous vous souvenez qu'un météoroïde vient de très loin dans l'espace, des différentes ceintures qu'on peut connaître, mais également d'autres planètes par des éjectats. Et ces objets, quand ils rentrent dans l'atmosphère terrestre, à environ une centaine de kilomètres d'altitude,
vont commencer à rencontrer des molécules d'air, à freiner, à chauffer à cause de ce phénomène de friction qui va créer la fameuse croûte de fusion des météorites, mais qui va également créer un plasma. Et ce plasma, c'est ce qui nous intéresse parce que c'est ce plasma-là qui va permettre à l'onde envoyée d'être réfléchie et d'être détectée sur Terre. Alors, Bigre, comment émettre une onde? Vous n'avez rien besoin de tout ça. Il y a des émetteurs particuliers, des radars, comme par exemple du côté de Dijon, le radar militaire de Graves, qui émet à 143,050 MHz. Et il vous suffit d'adapter votre antenne pour pouvoir récupérer l'onde incidente quand elle aura frappé le météoroïde. Ou alors, dans mon cas, c'est des radars belges qui sont à Ypres et qui émettent à 49,99 et 49,97 MHz. Donc, une onde qui est envoyée, une onde qui est réfléchie, mais comment capte-t-on cette onde? Eh bien, tout simplement avec une antenne. Il y a plusieurs types d'antennes. Là, les plus simples vont être des antennes de type dipôle ou des antennes de type Yagi. Alors Yagi, ça peut paraître un nom compliqué, mais c'est simplement une antenne râteau que vous avez sur le toit très certainement. Ou alors un cornet. Alors ça ressemble vraiment à un cornet de glace. Hein. Ou encore une parabole. Les plus simples, la dipolaire, voire quadrupolaire, c'est 4, ou la Yagi, et ça fonctionne très bien. Il suffit simplement d'accorder votre antenne sur la fréquence du radar que j'ai cité. Alors, une fois que vous avez capté ce signal au travers d'une antenne, il faut l'envoyer sur un récepteur. Et ce récepteur, vous pouvez en acquérir un, c'est très simple, par Amazon. On appelle ça un récepteur SDR, et c'est tout simplement une clé USB, en voilà une, qui va récupérer le signal provenant de l'antenne, qui va traduire ce signal, et ce signal, vous allez l'envoyer sur un logiciel, et des logiciels gratuits. Il y a 3 logiciels gratuits. AirSpy, le logiciel HD SDR et la Formule 1 qui est Spectrum Lab. J'en oublie mes mots. Donc vous voyez, avec ces 3 parties, l'antenne, la clé USB SDR, SDR veut dire tout simplement radio logiciel, hein, en traduit, et enfin votre logiciel. Alors ici j'ai AirSpy, si vous le voyez, et donc je m'accorde sur la fréquence de l'antenne, donc des 49, alors ici il y a 103, mais des 49,99 MHz, et j'ai un défilement de fréquence, et quand un objet va passer, je vais voir son signal affiché. Donc voilà les 3 parties. Je vais vous montrer mon antenne bipolaire. Mon dipôle, pardon, qui construit en période de confinement avec des bouts de ferraille et des bouts de fil, et qui fonctionne très bien. Donc à tout de suite. Alors voilà la suite. Voilà mon antenne dipolaire. Elle est constituée de 2 brins métalliques, un premier ici et un second un petit peu plus loin. Et l'ensemble de ces 2 brins sont connectés sur un câble coaxial. L'onde électromagnétique, qui est composée d'une onde électrique et perpendiculairement une onde magnétique, l'onde électrique va créer un mouvement d'électrons dans le conducteur qui va se traduire par une variation de potentiel.
Et ce potentiel, je le récupère sur mon câble coaxial, je l'envoie sur ma clé USB SDR et enfin sur le logiciel AirSpy.